Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 309 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Surfing Girls. C'est un mélange entre surf et doigts. Donc j'imagine que c'est un jeu à vue de nez qui a un nom de jeu pour mobile et apparemment je pense qu'il est jouable sur mobile. Je baisse le son, il est trop fort. Oh putain, je suis obligé de le baisser à 6. Alors, ça doit être un mini-jeu, donc on va faire un mini-test. Options, qu'est-ce qu'on a dans les options? Le son et la résolution. Ah, je peux jouer avec la... Oui, avec la manette. Single players. Alors... ok... Oh putain! Le principe est pas mal. Ah ouais, ok, il faut... Je me suis dit, tu sais, il va sauter, non, pas du tout. Mon dieu, comment il est dur. Ok, c'est un petit jeu, hein, voilà, c'est ce que je disais. Il a au moins... C'est pas mieux que Timberman. Ah putain. Je fais n'importe quoi. Allez. Comment ça, il y a des... Comment ça, il y a des trucs au milieu? En fait, le jeu se complexifie alors qu'on recommence. Je suis mauvais. Et ben voilà, on a fait le tour du jeu déjà, je pense. Voilà, voilà. Allez, yo, yo. Bon, je sais pas jusqu'à où je vais arriver à aller, mais on va essayer. Bon, et... Non, on va dire que c'était l'échauffement. Ça, c'est du score, ça. Bon, du coup, la musique c'est toujours la même, hein. Faut pas s'attendre à ce que ça change. Oh putain. Hop. On monte, on descend. Putain! Allez, viens. Yeah. Je suis un fou. Non, bah là, non, putain. Il s'est pas surfé ce trou de cul. Ça donne envie d'être en été. Oh, heureusement qu'il faut pas éviter les poissons, hein. Ouah, 59. Bon, par contre, il n'y a pas d'autres modes. Ah, versus mode. Ouais, mais contre genre... Ah ouais, non, contre genre multiplayer. Vas-y, on va voir s'il y a des gens qui jouaient ça. Attends, 5 secondes. 1, 2, 3, 4... Cinquième personne qui joue à ce jeu-là, c'est pas vrai. Allez, ben on est reparti, hein. Yop. Yop.
on s'en fait encore une ou deux, et puis après, j'arrête parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je suis un peu nul quand même des fois. Come on. Et ben on va s'arrêter là. Allez, on revient à la page d'accueil. Et ben voilà, c'était tout pour Surfing Girls. Donc on a compris le principe, il n'y a pas 40 000 modes. Voilà. On peut juste récupérer des étoiles. Ah oui, du coup. Oui, voilà. J'imagine qu'on peut acheter contre des étoiles. Or, 75. 75 quoi. En tout cas, je peux prendre d'autres personnages. Bah oui, excusez-moi, non, c'est le même personnage, c'est juste une nana. Ouais, allez, c'était la dernière partie juste pour découvrir la nana. Mais ça ressemble fort à un jeu qu'on peut trouver sur mobile, ça m'étonnerait pas qu'il y soit. Voilà. Ça m'étonnerait pas du tout. Et ben voilà, c'était tout pour Surfinger, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez pu découvrir un jeu à la con. Il y en a plein des jeux à la con comme ça. Franchement, il y en a plein, c'est pas le premier qu'on croise. Et j'en ai un autre là sur mon bureau. On va le garder pour plusieurs, un peu plus tard. C'est des petits épisodes, tout simple, tout bête. Mais c'est des jeux quand même. Je trouve que voilà, ils méritent d'être connus, comme Timberman. Voilà, ça méritait d'être connu. C'est un peu dans le même délire que tout ce qui va être Angry Birds, tout ce qui va être Angry Birds. Non, il y en a plein d'autres. Voilà, et Timberman. Bon, et plein d'autres. On se dit bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain jeu, un petit ou un gros jeu, on verra. Un rétro ou pas d'ailleurs, vous avez vu que j'avais repris un peu les jeux rétro. Et puis voilà. Et puis d'ici là, portez-vous bien, on se dit salut.